Salut tout le monde, c'est Sapik et bienvenue dans Super Smash Bros Ultimate. Pourquoi je fais du Super Smash Bros sur ma chaîne? C'est parce que j'avais fait une story sur Instagram. Pour savoir si ça vous intéressait que je faisais du Smash quand même sur ma chaîne, et vous étiez quand même beaucoup qui a répondu oui. Alors, je vais faire des vidéos de Smash avec vous et peut-être avec des amiibo. Mais pour la première vidéo, bon, je sais que j'ai créé beaucoup d'affaires. On commence avec. Mais moi, je préfère plus jouer avec de la vie. Et je me suis acheté le Joker et le héros. Mais ce sera pas dans cette vidéo que je vais vous jouer avec. Je vais peut-être dans la prochaine vidéo, je serai avec le Joker et après, mais ce sera avec l'héros. Pour commencer, on va faire les maps que moi je suis bon. Je vais faire mais après, mais dans la prochaine vidéo, mais je vais. Jouer avec le Joker. Mais moi, je joue souvent avec celui-là. Parce que je le trouve beau. Sinon, il y a le héros, lui, je prends toujours le classique. Mais moi, je vais jouer avec Lin Kuei, parce qu'elle vient dans Splatoon. Et on va pas juste jouer avec un ordi. Seulement avec les amiibo. J'ai des amiibo. Trois nouveaux amiibo que, lors de la vidéo, ça doit faire un petit bout que je les ai. Mais pour moi, ça fait pas longtemps que je les ai. Premier amiibo. Est rendu très rare. Marie est rendu très rare. J'ai eu de la chance de trouver dans un magasin. J'ai le trésor de Pokémon. Pichu. Bon, vous avez pas remarqué que dresseur de Pokémon, j'ai écrit DDP pour dire dresseur de Pokémon. Et c'est ces trois. Oh, je peux même choisir. Là, il va commencer avec le personnage principal. Alors, ça fait pas longtemps que je les ai, j'en ai déjà d'autres. Mais peut-être dans la prochaine vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si vous voulez que je joue avec d'autres amiibo. Mais il y a forte chance que je vais essayer de les améliorer jusqu'à la fin. Moi, j'aime jouer à Smash. Si vous me suivez, j'ai beaucoup de mal. Disons, si vous regardez les heures de jeu, je dois avoir au moins dans beaucoup d'heures de jeu quand même. Bon, bye Pichu. Ah, même Marie a perdu lui. On va essayer de les améliorer jusqu'au niveau 50 quand même là. On va quand même jouer deux vidéos peut-être avec ces trois amiibo là que j'ai débloqué. Comme ça, ça vous demandera le temps de penser si ça vous intéresse d'acheter des amiibo aussi. Moi je trouve pour jouer c'est vraiment fun, c'est quand même pour des niveaux 50 ça fait changement, ça te rend le jeu plus difficile. Okay, contre des niveaux 9. Des niveaux 9, je joue tout le temps contre eux. Et j'avoue que c'est pas toujours facile. Ah, puis tu as perdu. Il y a une version de Pokémon qui a été aussi sur Nintendo Wii. Je sais pas si elle a été sur Nintendo GameCube dans Super Smash Bros. Melee. En train de jouer toutes tes Pokémon pour essayer de me battre. Et on va prendre notre super lanceur. Et c'est une victoire contre Marie, dresseur de Pokémon et Pichu. Donc c'est pas en ordre.
Mais déjà, on va voir, bon, il y a Pichu qui était pas tombant sur cette partie-là quand je jouais, moi, avant contre eux. Ben, avant que j'étais plus sur de sentir jouer sur Crash Bandicoot parce que ben, pendant que je tourne la vidéo, ben, c'est encore, on peut débloquer les bébés Crash et bébés Coco. Et j'ai réussi à les débloquer, si ça vous intéresse, c'est peut-être dans une prochaine vidéo de Crash Team Racing, parce que c'est quand même un petit bout que je n'ai pas sorti de vidéo. Comme que vous savez, là, je tourne une vidéo. C'est-à-dire, je vais vous présenter quand même tous les personnages que j'ai. Mais les classiques, et eux quand on était les spa, comme le tigre, vraiment pas justement. Et aussi, mais je vais peut-être jouer en ligne. On va avoir une autre victoire. Non, j'ai attrapé de quoi et je me suis même pas rendu compte. Oh, les trois en plus. Bien, on va les endormir un peu. D'éliminer le reste de Pokémon quand même. Bon, noix de coco. C'est évident qu'ils sont faciles au début parce que quand même leurs niveaux sont pas très forts. Mais quand ils vont être rendus niveau proche de 50 à peu près, ils vont devenir forts et ils auront plus de difficultés contre eux, ça c'est sûr. Regardez le dresseur de Pokémon. Oh, je pensais que c'est moi qui s'avais fait injecter. Bon. Et c'est une victoire pour... Notre victoire, bon. Moi, je prends des personnages quand même que je suis pas avec, à peu près, moi. Ma plus forte, c'est Daisy. Mais à peu près, je fais pas mal toutes les tours des personnages, même à part les lourds, parce que je suis pas tant bon avec les lourds. Bon, une fois qu'on ne tente pas de choisir une map, je suis aléatoire. Ça se pourrait qu'on tombe dans lui de Joker ou dans celui de... ou celui du héros, mais ce serait pas il y aura fort de chance que ce soit dans la prochaine vidéo que je vais prendre le Joker seulement, et dans une autre prochaine vidéo ce serait le héros, et dans une prochaine vidéo mais ce serait simplement en ligne, et mais je voudrais bien aussi jouer avec vous si en vidéo ou hors vidéo si ça vous intéresse, jouer contre vous. On prendra n'importe quel personnage et le but c'est de s'amuser.
vrai que j'étais en équipe. Alors que mon Pokémon l'avait regardé. Métamore qui est un personnage vraiment drôle dans le film Détective Pikachu. Si vous l'avez pas écouté, je vous le conseille pour moi voir des vous le conseille énormément Détective Pikachu pour aller l'écouter. Parce que c'est vraiment drôle. Peut-être pas au cinéma parce qu'il est fini, mais au moins je vais l'écouter sur Netflix. Si il est sorti, je pense pas qu'il est sorti encore. Quand il va sortir, sinon, louez-le si on peut encore louer des films sur notre télévision. Oui, à Mario Baseball. C'est un piège. C'est que le bâton du baseball quand même dans ce match c'est très cheaté. Comme vous pouvez le savoir, c'est quand même très cheaté. Mais c'est très utile, mais très rare. Bon, aussi pour les niveaux de mes cerveaux, ça vous avez bien remarqué, c'est le niveau de Mario qui est plus élevé parce que ma CL souvent en deuxième place, ou elle m'a sûrement déjà battu pendant que je les ai eus. Alors quand même quand on jouait, mais je pense que j'ai perdu contre ses amis beaux, mais contre Marie parce que. Parce que j'étais pas bon. Mais disons, bah, quand même, ça s'améliore aussi. Et en même temps, bah, ils ont toutes leurs forces. Ils ont le dresseur de Pokémon, il y a sa force à lui, puis Pichu et Marie ont leur force tout seul. C'est pour ça que c'est très différent chacun. C'est pas la même chose. Et si vous avez déjà remarqué sur mon compte Instagram, je pense que je les avais montré, mes amigos, et aussi j'avais montré que j'avais deux autres amigos. Alors, si vous vous rappelez bien, vous pouvez me les écrire dans les commentaires si vous m'en rappelez très bien quel amigo que j'ai eu. Si vous vous en rappelez, ben, eux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, ben, ça fait des fois que je dis. Bon, je me dis dans les commentaires quels étaient mes deux premiers amigos que j'avais publiés sur Instagram. Ben, vous aurez tant de chance sélectionnée pour faire une vidéo avec moi. Je pense que je vous ai donné dans cette vidéo, bon, vraiment il y a peut-être une petite indice, seulement eux qui ont Smash. Si vous n'avez pas Smash, vous avez le droit de vous tester. Et vous pourriez jouer avec moi. Oh! Yeah. Ah, parce que c'est moi. Ah, mon ami a été injecté seul. Merde. Je pense que c'est Ben et Anna. Il y a un slammer Ben pour le bleu et Anna pour la fille. Je suis pas sûr. Je pense que le dresseur de Pokémon
Et Pichu se sont regardés un instant, mais ça va être quand même un Dragon Feu. Le seul, c'est quand même un Dragon Feu, il y a plus de Bizarre et Carapuce. Mais ils se sont regardés. Je pense que ça veut dire que c'est Canaille, même s'ils sont dans un jeu de Pokémon. Pourquoi mon ami me suit? Parce que j'en reviens pour me faire injecter quand même. Hein? Les Slammer étaient sur la Nintendo Wii dans Super Smash Bros. Brawl. Je pense qu'ils n'ont pas pu être sur la 3DS et Wii U parce qu'ils étaient deux, c'est pour ça. Ah bon, c'était sûr. Moi, l'un de mes personnages préférés, ben, c'est lui de Ridley. Parce que je le trouve bien stylé. Oh merde! Bon, il y a juste le dresseur de tête. Oh! Une attaque de triple, parce que c'était 3. Et il y a fort de chances que je vais perdre. Qui a pris mon Pokémon? Fini. Les Esclameurs. Bon. Deux dernières, mais cette fois-ci, on va pas commencer par Carapuce dans mes Pokémon, mais on va quand même mettre l'une de mes maps préférées, mais en mode Splatfest. Je sais, même moi, cette musique me manque. Partie, et ça va être Bulle Bizarre qui va commencer la partie pour le dresseur de Pokémon. Bon, c'est... Est-ce que je joue au ping-pong? Oh, deux dragons! Chaud! Là, on est dans Tour Girette parce que c'est quand même l'une des meilleures maps de Splatoon. Donc, ils l'ont mis même dans Smash. Ils ont rajouté les Inklings, mais ils ont quand même rajouté beaucoup de personnages. Comme si vous avez bien remarqué quand même la première banane de Smash, il y avait les Inklings. Moi qui pensais qu'il y avait un nouveau Splatoon lors d'une Nintendo Direct quand ils ont présenté. Le coup j'ai donné. C'est l'un des seuls personnages lourds que je suis capable de bien maîtriser. Peut-être pas faire des gros tournois. Parce que je suis pas le meilleur joueur de Smash. Wow.
voit que les abeilles, c'est malin. Bon. Évidemment. Déjà? Ah merde, je suis dans la soupe. Le meilleur smash dans Super Smash Bros. Ultimate. Pourquoi pas moi? Je sais que c'est pas la même chose que Splatoon. Dans Smash, je peux gagner toutes mes games ou toutes les perdre. Je pense que je vais la perdre. Mais quand même, je pense que si je la perds, bien mes amis, je pense. Oh! Hein? Lol. Je pensais que j'aurais perdu. Je pense que si les amiibo gagnent, ils gagnent plus de niveaux aussi. D'ailleurs, quand même, faudrait qu'ils se forcent un peu plus. Mais dès qu'ils sont au niveau 50, ça sera pas mal fini. On va finir sur la map de Super Mario Odyssey. Et ça serait ça serait Drago. Voilà. Moi je vais terminer avec. Tiens, je vais prendre mon Mi. Je vais faire avec les PC. Dernière partie de la première épisode de Super Smash Bros Ultimate. Ah ouais, je vais dans la avec la pique sur ma tête de mon Mi. Ah merde. Ah wow. C'est rare que j'attrape de quoi en temps je saute. Yeah. Une des meilleures tunes dans les jeux de Mario, je trouve, c'est Jump Up Superstar. Wow, comment ça s'améliore. Ça me garde plus un peu. Oh. Shadow. Non, c'est... Je vais essayer un peu trop m'approcher du... Oh. Mais au moins, j'ai eu les deux. Hein? Les deux en même temps, mais qui est arrivé en 3ème et en 4ème place? Bon. Ah, ça, ils ont terminé tous les deux en 2ème place. Bon.
J'espère que ma première épisode de Super Smash Bros. Vous a plu. Alors, on va quand même aller voir ce qui se passe quand on quitte avec les animaux. Alors, okay. Je mets chaque personnage sur ma manette. Là, ça rentre en bas parce que c'est sur ma manette pro. Et je pense que ça aurait été sur ma Switch. Ça irait de côté parce que ma manette est dans le côté. Aussi, comme que je vous ai dit, ceux qui trouvent mes deux amiibo que j'ai le plus dans Super Smash Bros. Ultimate, les vrais nouveaux, pas eux que j'ai sur Wii U et 3DS parce que ça serait même trop long parce que j'en ai beaucoup. Mais ceux qui veulent vraiment jouer avec moi, juste à me dire si j'ai Linkling ou Flamba ou je sais pas, là, les amiibo que j'ai sur mes deux premiers amiibo que j'ai. Mon tout premier, je peux vous le dire une autre fois dès que vous aurez trouvé les deux premiers amis que j'ai. Et ceux qui l'auront trouvé pourra faire des games de Smash Bros. Avec moi. C'est-à-dire, n'hésitez pas à me suivre. Mais je vous souhaite une très bonne chance pour trouver mes deux premiers amis que je me suis acheté sur Super Smash Bros. Ultimate. C'est-à-dire, j'espère que n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est SamPick13. Enfin, vous pouvez constater que je tourne la vidéo à 21h33. Mais commencer plus tôt aussi. C'est-à-dire, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, partagez ma vidéo et abonnez-vous si c'est pas fait. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de SamPick. Allez, salut!